Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel nouvelle version pour apprendre à tester votre stator ou alternateur. Et dans les cas présents, il s'agit d'un stator trifacé. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, un stator trifacé, c'est facile à distinguer étant donné qu'il dispose de trois câbles d'entrée d'une seule couleur. Dans les cas présents, il y a trois câbles jaunes, mais vous pouvez tomber sur d'autres stators qui disposent des trois câbles noirs, par exemple. Pour commencer, c'est quoi un stator? Un stator, c'est un appareil électrique ou une bobine ou un ensemble des bobines qui va générer une énergie. Cette énergie, c'est un courant alternatif. Ces courants alternatifs, il va être transformé par un régulateur. Il va être transformé en tension constante, ça veut dire en voltage. Ensuite, cette tension, il va être destiné à alimenter les circuits électriques de votre véhicule. Et en même temps, il va servir à recharger votre batterie, à condition bien sûr que le moteur de votre véhicule soit allumé. Pour cette opération, on aura besoin de notre fidèle ami, le multimètre. On va chercher tout d'abord une continuité. Ensuite, on va chercher la résistance de votre stator. Donc pour cela, on met votre multimètre tout d'abord en continuité. On fait un petit test. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les trois câbles jaunes ici présents. On va les tester de cette manière-là. On met une sonde ou une pointe de test par ici, par derrière ou par devant. Et par ici, c'est plus facile parce que la pointe, il ne va pas s'échapper. Par exemple, là, on va tester. J'ai mis en contact cette ligne ici avec la pointe du multimètre. Et avec la deuxième pointe, je vais tester ses voisins, les autres lignes d'entrée. Voilà. Ça marche. Maintenant, on va tester le deuxième câble jaune. Vous voyez, celui-là. C'est bon. Maintenant, on va tester l'autre. On va le faire partir d'ici. Je m'approche de la caméra. Voilà. C'est bon. On va tester l'autre encore une fois. Et on va tester celui-là. Là, je pense que ça va être plus clair pour vous. Voilà, donc, pour la continuité, c'est OK. Maintenant, on doit vérifier s'il y a une continuité avec la masse. Ça peut être avec la masse ici, la partie métallique de l'estateur, ou le moteur, ou les châssis de votre moto. Voilà. Donc, normalement, si entre les câbles d'entrée de l'estateur, il doit y avoir une continuité, avec la masse, il ne doit pas y avoir. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Il n'y en a pas non plus. Ça veut dire que le stator, il marche parfaitement. Mais le test n'est pas encore fini. On va chercher aussi une résistance. Pour cela, vous allez mettre votre multimètre dans la valeur la plus petite. Ça veut dire en 200 ohms. Vous voyez, 200 ohms. Et là, je dois trouver une valeur. Une valeur que ça doit être à peu près la même sur les trois pins ou les trois câbles d'entrée. Un, deux.
1, 2. Pareil pour son collègue, on va chercher sa résistance. 1, 2. 1, 2. Et le troisième test. Un, deux. Un, deux. Voilà. Donc, on a trouvé sa résistance. C'est des 1,2 ohms. Donc, ça veut dire que tout va bien. Maintenant, on va chercher la résistance du capteur d'allumage. Là, c'est simple. Toujours dans la même plage, dont la valeur la plus petite de votre multimètre. Son 18 1 ohm. Donc, s'il a une valeur, ça veut dire que tout va bien. Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour tester votre système de charge. Pour cela, on aura besoin tout simplement d'un multimètre. On va commencer tout d'abord par tester le voltage de la batterie pour savoir s'il est bien chargé. Ensuite, on va tester la résistance du régulateur. Ensuite, on va tester la résistance de l'alternateur ou stator. Et pour finir, on va tester l'alimentation en courant alternatif de la moto. Donc, pour commencer, je mets mon multimètre en position des 20 volts de courant continu pour tester ma batterie. Et là, je vois que j'ai 12,69 V. Ça veut dire que tout va bien. Maintenant, on va tester la continuité du régulateur. Pour cela, on met en position de continuité. Voilà mon régulateur, il est déjà débranché. Il y a 3 câbles noirs dans mon cas. Et une autre prise avec 2 câbles, un de couleur rouge et l'autre de couleur noire. La sonde rouge, les testeurs rouges, on les met au niveau du câble noir. Et la sonde noire va tester les 3 câbles ou les 3 pins qui sont connectés de côté de stator. Voilà, donc je dois trouver des valeurs. Attendez. Voilà, donc je vais commencer l'opération. Et là, je trouve des valeurs. Pareil et pareil. Donc j'ai trouvé des valeurs sur les 3 pins ou câbles. Ensuite, avec les câbles noirs, ou pardon, avec la sonde noire, je vais l'insérer là où il y a le câble rouge. Et pareillement, je vais chercher une continuité de l'autre côté, dans l'autre connecteur, où il y a les 3 pins ou les 3 câbles noirs. Et je trouve des valeurs. Donc, côté régulateur, tout va bien, il n'y a aucun problème. Si par hasard, vous ne trouvez pas des valeurs, donc soit avec le test avec la sonde noire ou la sonde rouge, ça veut dire que votre régulateur, il ne marche pas très bien, c'est le moment de le changer. Il y a un court-circuit qui empêche le bon fonctionnement. Ensuite, on va tester la résistance de l'alternateur ou stator. Donc là, dans les connecteurs, il y a 3 câbles jaunes. On va faire l'opération suivante. On va chercher pareillement une continuité entre les 3 câbles. Pour cela, j'insère, peu importe la sonde noire ou rouge, dans l'un des connecteurs et je trouve une continuité. Pareillement, sous l'autre connecteur et je trouve une continuité.
Je teste le dernier connecteur. Et j'ai trouvé une continuité. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est mettre tout en place. Régulateur, alternateur. Là, pareillement. Ah, j'ai oublié un truc. C'est de tester l'alimentation des courants alternatifs. Bon, ici, on va tester les voltages des courants alternatifs. On prend les connecteurs de l'estateur, là où il y a trois fils jaunes. Donc, on va tester le 3. Donc, pour cela, je vais insérer, je vais commencer par 2, peu importe lesquels. Et mon multimètre, je les mets en 200 volts des courants alternatifs. Et là, je vais démarrer la moto. Voilà, donc pour tester, vous accélérez. Et si vous remarquez sur votre écran que les valeurs augmentent, ça veut dire que il y a un bon fonctionnement. Maintenant, on va tester un autre câble. Il faut que je coupe le contact. Je vais passer au câble suivant. Pic, pic. Et on voit que les valeurs augmentent à chaque fois que je donne des coups d'accélération. Voilà, c'est un test simple. Il faut faire bien sûr attention à ne pas se tromper des fois des polarités. Et bien mettre, lorsque vous testez les courants alternatifs, il faut les mettre toujours en 200 volts de courant alternatif. Si vous vous trompez, vous risquez d'abîmer votre multimètre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour tester les bons fonctionnements de votre estateur ou alternateur grâce à une ampoule de 60 watts ou 70 watts. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est déjà débrancher le régulateur de l'estateur. Là, vous voyez, il y a les trois fils jaunes. Je vais faire une approche de la caméra. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, donc il y a trois fils jaunes. Ça peut être noir aussi, peut-être. Ça dépend du modèle de la moto. Et ce que je vais faire, c'est connecter ces deux-là dans la prise, dans la connectique de mon alternateur ou estateur. Peu importe si vous les connectez là ou là. Le but, c'est de tester les trois câbles jaunes de votre estateur pour trouver s'il y a un bon fonctionnement de votre estateur, s'il y a les courants alternatifs qui circulent normalement. Alors, une fois installé l'ampoule dans la connectique de l'estateur, vous allumez la moto, vous mettez le contact et je démarre. Voilà, vous voyez, il y a quand même un courant alternatif qui circule. On accélère et l'ampoule réagit. Ça veut dire que il y a eu une intensité. Ça veut dire que votre alternateur ou estateur, il marche très bien. C'est une façon très économique de tester votre alternateur. Donc là, vous faites pareil. Vous éteignez, bien sûr. Vous éteignez le contact. Vous passez à l'autre fil. Et comme ça, vous testez les trois fils. Il n'y a pas de polarité.
Et voilà, donc ça marche très bien. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous demande tout simplement de m'offrir un like. Merci beaucoup, à la prochaine.